Et ben ça y est, on a enfin terminé notre premier album qu'on a commencé en 2020. On l'a réalisé toutes les deux à la maison avec nos propres instruments et nos propres textes. Et pourtant, tu vois, je saigne entre deux voix qui me bercent. Lors de l'écriture de cet album, on a eu beaucoup de bouleversements personnels, professionnels et sentimentaux. Et c'est des choses dont on a beaucoup discuté tous les deux et qui ont enrichi l'écriture de cet album. Ouais. Sans pour autant en faire un album journal intime, mais c'est plutôt un ensemble de questionnements et de réflexions sur le sujet qui nous tient à cœur. Oh mon homme, tu entends là mon chant qui vient à toi. Sache bien que je ne veux pas d'enfant. Ça parle de nos vies de musiciennes avant tout, de femmes, d'amantes, de mères ou pas d'ailleurs. Et puis, on revient à la musique un peu, on a pris nos influences folk et bluegrass, avec aussi des influences de berceuses traditionnelles. Et à tout ça, on a rajouté nos textes en français. Et pourquoi en français? Parce que on trouvait ça important pour nous de partager nos réflexions avec les auditeurs. Et on aime beaucoup partager à la fin de nos concerts aussi sur ces différents sujets. Musicalement également, on a commencé d'une manière très épurée avec juste une guitare, une contrebasse et nos voix. Et cet album, ça a été aussi l'occasion pour nous de nous enrichir et de grandir musicalement. On s'est mise Mélanie à l'harmonium et moi à la banjoline, deux instruments qu'on a rajoutés sur ce premier album et qui rajoutent une touche traditionnelle un peu particulière. Maintenant que vous avez très envie de participer au projet, on va vous expliquer comment va être réparti l'argent collecté. Aujourd'hui, on a tout enregistré, mais il faut mixer et masteriser l'album. Et ça, c'est Sam, notre ingé son lyonnais, qui s'en charge. Nous devons aussi presser les CD, concevoir et imprimer le livret et la pochette de l'album. Il y a également toutes les contreparties du financement participatif à acheter et à faire personnaliser chez Ben Bert, notre illustrateur grenoblois. Il y a également Clément, qui réalise nos clips que vous retrouverez sur internet et qui vous donneront envie de nous voir en concert. En parlant de concert, tiens, nous avons plein de matériel dans lesquels investir pour vous en mettre plein les yeux en live. Et enfin, une dernière partie est conservée par la plateforme Ulule, parce que c'est le jeu. Et puis si après tout ça, il nous reste un peu d'argent, et bien je pense qu'on va partir sur les îles Bahamas avec maman, Pépouze, à faire les guitares ou tout un feu. Regarde donc.